Putain, mais qu'est-ce qu'on fout dans ce trou, Vincent? Je sais pas. Je sais pas. Quoi, tu sais pas? Moi, je voulais aller en vacances à Saint-Tropez. Ah, d'accord, oui. Mais c'est qui, alors, qui a parlé de l'Inde? C'est toi. C'est moi? Ouais. Un jour, t'as dit c'est dégueulasse que le tiers-monde ait subi. Hein? Faut sensibiliser les gens, faut voir un peu en Inde comment ils vivent. Attends, j'ai dit faut sensibiliser les gens, d'accord? J'ai jamais dit faut aller en vacances en Inde. Attends, je te mets l'œil, toi. C'est quoi la petite des Indes? Toi qui milites pour le tiers-monde à Passy, t'es pas content, là? Tu te rends compte sur place, là, regarde. On n'est pas obligé de souffrir pour militer, hein? Eh, c'est ça. Je vais voir la bagnole, moi. Hé, hey, oh, les gars! Les gars, oh! Il est encore loin, le village? Y a un café avec une petite terrasse, là? Terrasse of coffee? Non? Oh la vache! En plus, boire un verre sur le port à Saint-Tropez, on aurait pu sensibiliser des tas de mecs et des tas de nanas. Ça fait une paye qu'on n'a pas sensibilisé de nanas. Eh bien, allez-y, sensibilisez-moi. Moi aussi, ça fait une paye que je ne me suis pas faite sensibiliser. Lequel veut se rendre utile? Moi, je voudrais juste un peu d'alcool, parce que j'ai... Oh là là. Hein? Oh là là, c'est ennuyeux, ça. Quoi? C'est une grosse coupure, c'est assez très ennuyeux, il faut y aller, là. Non, c'est juste une petite érature, par contre, mes amis, eux, ils sont... Non, mais dans la région, quand ça s'affecte, ça s'affecte. Ah bon? Parce qu'eux, ils sont vraiment... Non, on les retrouvera au dispensaire, parce que là, attendez... Oh, il y a vraiment une urgence. Ah bon? Vite. Ah oui. Allez, allez. Vite. Ouais, c'est ça. Ça va, Vishnu, ça t'a plu, là? Il est jaloux. Ah, je sais pas comment tu fais pour te pencher par la fenêtre, là. Moi, ça me... C'est moi qui me penche par la fenêtre et c'est toi qui as le vertige. Est-ce que c'est la preuve qu'on est un vrai couple, mon doudou? Pourquoi tu m'as choisi? Oh, j'étais éblouie. Non, sérieusement. Sérieusement, je t'assure, j'ai rien vu, j'avais le soleil dans les yeux. Oh non, non, pas de suçon. Non, ne fais pas de suçon. Mais c'est mes petits suçons à moi, ça. Tout discret, derrière l'oreille. Tu veux pas être à la lumière? La lumière? Mmh. 25 watts. Bah oui, non, mais c'est pas pour... Non, mais je sais, c'est plus fort que toi. Le gâchis, les déchets, les fûts qui fuient, les leucémies, le nucléaire. Oh. Oui, un jour, ça peut... Ça peut péter que de catastrophes. Absolument. Parce que le nucléaire, c'est pas juste cette ampoule, mais une ampoule, plus une ampoule, plus une ampoule, plus une ampoule. Noël, ça doit être le cauchemar pour toi. Je suis chiant, hein. Des kilowatts. Bah pourquoi tu m'as choisi? Non, sérieusement. C'est hormonal. Ton odeur, tes poils, ton torse, tes muscles. Moi, je suis chiant. Toi, tu mens. Ta force. Ton sexe énorme. Mais tu mens pas tout le temps. Non, dis-moi, sérieusement. Dis-moi pourquoi tu m'as choisi. Sérieusement. Vincent, mon amour. Les chiennes, les chattes, les autruches, les guenons, les femelles. Toutes les femelles savent reconnaître le mâle protecteur qui leur est destiné. Le mâle qui va les féconder. Mais si le mâle n'est pas mature, la femelle peut très bien aller voir un autre mec ou même se casser définitivement. Parce qu'elle a aussi un instinct de survie très fort, Vincent. Surtout que ça fait un an qu'on est ensemble et qu'à chaque fois que je te parle de bébé, tu tousses. Alors que j'ai été hyper claire quand on est rentrés. Je t'ai dit que je voulais construire une famille avec toi, sinon je retourne en Inde. Il y a des tas de gens qui ont besoin de moi là-bas. Je veux une réponse ce soir, parce que je t'attendrai pas un jour de plus. Je te demande même pas de m'épouser. Tu veux savoir autre chose, mon doudou?
Putain, ils sont gourés, c'est demain. Les lumières! Je sais même pas ce qu'elle me trouve. Comment tu veux que je m'engage? Allume! Et Michel Platini a marqué tellement de buts qu'il peut... Oh, l'artiste! Aïe, 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 aïe! C'est un prince, ce type! Et toi? T'es schmuck! Hé! Change pas de sujet, hein? Laurie, c'est la femme de ta vie! Alors voilà le programme. Tu te maries, je suis grand-père, après je meurs et tout ça, c'est pour toi. Et la clé, tu sais où elle est? Dans le coffre à trésor de ton aquarium avec ton gefilte fish. Gefilte? Change de sujet, c'est ça! Papa, j'éteins. C'est comme le magasin. Ça fait 2 ans que je continue en attendant que tu le reprennes. Je fais mon temps, moi. Ou tu le reprends, ou je le revends. Je sais pas. Parce que je n'achète. Je signe demain si je veux. Qu'est-ce que vous avez tous avec demain? Faut choisir dans la vie. Sinon, c'est les autres qui choisiront pour toi. Dieu nous a donné le libre arbitre, alors... C'est bon. 1-0, on le remet ce soir aux Allemands. Non, 3-0. Oh. Et tu te décides, hein? Parce que mon acheteur, il est sérieux, lui. Demain, sans faute, Samuel. Vincent, papa. Vincent. C'est tout, lui, ça. À sa naissance, c'était Vincent. À sa bar mitzvah, c'était Samuel. À son bac, c'est à nouveau Vincent. À la fac, rebelle de Samuel. Et aujourd'hui, c'est Vincent. Je sais pas, quoi. Ça me fait chier. Et les chaussures de faire avec sa mère. À rendre folle les vendeuses. Ouais, je les prends. Très bien, parfait. Pour acheter une paire de pompes, t'étais pas obligé de nous faire venir tous les deux. Sonia. Excusez-moi. T'as vu tout ce carton gâché? 256 boîtes. Mais oui, je t'ai dit, des forêts entières, on rase pour ces conneries. C'est honteux, quoi. Faut recycler le carton. Attends, tu vas pas t'associer avec l'autre facho de forçant? C'est pas un facho, c'est un fils de bourge. C'est pareil, je lui mets l'œil à lui aussi. Ah, non, ouais, c'est pas pareil. T'es pas facho, toi. Attendez, s'il vous plaît. Je peux revoir les noirs, là, s'il vous plaît. Non, c'est parce qu'elle me sert un peu, celle-là, c'est ça. Ah, mais tout ce que vous voulez, je suis là pour vous. Merci. Voilà. Levez. Levez l'orteil, le gros. Il est bien levé, là? Bah oui. Poussez. Poussez encore. Vous êtes bien au fond, là? Oui, t'es bien au fond. Vous trouvez pas que c'est une belle paire? Elle attendait que vous. Sonia, s'il vous plaît. Je vous avoue tout de suite. Tu vas voir, elle va revenir, elle va dire, alors, vous me prenez ou pas? Faut y aller, t'as vu ses nichons? Ouais, les nichons, les nichons. La autre chose que t'es nichons, cette fille. Ouais, t'as raison, elle a un beau chignon. Je lui accorde encore 5 minutes, après je ferme. C'est pour savoir seulement, tu dis, Sonia, vous avez un beau chignon, comme ça, tu vois. Non. Allez. Oh non. Tu lui dis où je te mets l'œil, maintenant? Mais arrête tes conneries, je lui dirai rien du tout, quoi. C'est vrai qu'il a un beau chignon. Si tu dis pas, moi je lui dis. Non, moi je lui dis. Non, c'est moi qui lui dis. Tu me dis? Non, c'est pourquoi ça sonne, tu lui dis? Non, c'est moi qui te le dis. Moi j'ai senti quelque chose. Alors? Vous me la prenez ou pas? Vous avez un beau nichon, Sonia. Un acte qualifiable de la part du gardien allemand, n'est-ce pas, Jean-Michel? On ne doit pas voir des gestes de ce type sur un terrain. Bah quoi? C'est mi-temps pour tout le monde, hein? T'as fini, Gaston? Finira pas. Vas-y, chouchou, régale-toi. Il a raison, ton père. T'es chiant. Je sais pas. Quand tu me vois toute ma vie dans la boîte à chaussures. Mais on s'en fout des pompes. Ton carton recyclable, ça peut tout emballer. Il y a plein de débouchés. Remarque, écologiquement, tu vas déjà plus loin qu'économiser 25 watts par jour. Non, mais sauver des arbres, attends, ça me plairait, c'est sûr. Mais tu vois, c'est monter une entreprise, quoi. Donner des ordres, prendre des décisions.
Attends, tu nous vois dans 15 ans, dans 20 ans, en patron, là, les bourges. Sinon, j'ai une autre idée. Imagine, tu conduis, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, et soudain, t'as un accident. Il y a un ballon qui sort, je ne sais pas encore d'où, et qui te protège le nez. C'est dément, non? J'ai appelé ça la poche à air. Là, quoi, c'est pas si con, regardez. Oh la vache! C'est pas encore au point, ton truc, hein. Putain, je vais l'aplatir, ce petit coin. C'est pas... Arrête! Ah, bah, il est là. Arrête! Pourtant! Ah, bah, dis-donc, mon vieux. Mais je t'ai cherché partout. Oh, putain, la Rolex sur le plat, faut le faire, hein. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Fracture de fatigue ou quoi? T'as trop joué au golf avec ton papa? Arrête, je me suis planté en moto tout à l'heure. À 20 à l'heure, j'ai rien vu. Alors, Vincent, on s'associe, mon vieux? Et c'est comme tu veux. Moi, je m'en fous. Si je fais pas des affaires, je ferai de la politique. Mais bon, un conseil d'administration de mon père, c'est demain. Ils vont me lâcher 500 KF. Avec ta boîte écolo à la con, on peut faire un carton. Hein. Un carton. Les joueurs français reviennent sur le terrain. Vous avez des nouvelles de Vincent, Jean-Michel? Allô? Vincent, c'est Laurie. Très inquiet et sa famille du reste. Un mauvais sort sur l'équipe de France. Tire au but de merde. Tire au but de merde, là. Fais chier. Tous, forcément, tous. Mon père, Laurie, Chouard, Lionel, les cartons, les boîtes, Ronnie, tous. Mais bon, demain. Je sais pas. Dès demain. En tout cas, il faudra. Eh bien, je vous rassure, dès demain. C'est quoi ça? C'est l'airbag, voyons. Ça nous a sauvé la vie. Quoi? Qu'est-ce que j'ai? Mais c'est qui ça? Vous êtes la mère de Seigneur. Oh la vache, papa! Putain, le con! Mais c'est qui, cela? Mais arrête, tu vas faire peur aux enfants, enfin. Hein? Ça va, papa? Avec tes conneries, t'as niqué mon Ralph! Cédric, ne parle pas comme ça, ton père! On a déjà assez d'emmerdes comme ça! Sur des dingues, là! Où tu vas? Je suis tombé sur des dingues! Où tu vas? Seigneur! Je suis là! C'est quoi cette voiture, là? Qu'est-ce que c'est? Sonia! Je suis là, mon chéri. Ça va? Ronnie? C'est une connerie de Ronnie, ça. Il y a Ronnie? Mais non, il n'y a pas Ronnie. C'est un cauchemar. Non. C'est un cauchemar. Vincent, mais qu'est-ce que t'as? Papa! Mais... Vincent, qu'est-ce que tu fais? Reviens! Au secours! Oh, c'est trop de la balle. Ronnie! Je rêve là, ça va s'arrêter là. Voilà. Non mais c'est les Allemands qui ont gagné, hein? C'est les Allemands qui ont gagné, on a perdu. Vous êtes brésilien, monsieur? Mais non, je suis français. Ah, eh bien nous venons de mettre la main sur le français. C'est moi. Qui ne sait pas que la France a gagné, parce que je peux vous assurer qu'autour de nous, tout le monde le sait. Montre-nous les champs là. Eh oui, Philippe, de mémoire de spectateur, on n'a jamais vu autant de monde aux Champs-Élysées. Laissez-moi passer. Essayez de me choper le cinglé qui se casse. On va essayer, nous aussi, de le chercher avec la caméra, mais je ne vous promets rien. Il y a vraiment énormément de monde ce soir sur les Champs-Élysées. Et trouver un individu, ça ne va pas être simple. Encore que, attendez, il me semble qu'on l'a repéré. Tout à fait, Thierry. Voilà. Il se faufile à travers le public. Il essaye de se sauver. Président. Non, c'est Mitterrand, président. On a perdu. C'est Mitterrand, le président. Un café.
jour. Vous voulez surfer sur le web? Je sais pas. Ok. Vous avez un serveur préféré? Non? Vous voulez essayer Wanadoo? Wanadoo? Je sais pas. Laurie, réponds. Réponds, je t'en supplie. France Télécom vous informe que le numéro... Oh, j'ai mal, Romy. Laurie, il n'y a plus personne. Tout a changé. Oh, Maca! Hé, le vieux! Oh, Maca! Ça va, là? J'ai pas tellement vieilli. Non, j'ai même pas du tout vieilli, moi. Alors, tu viens me marquer un but, et 2, et 3, et 4, 0? Non, je crois pas, je... Vous me donnez quel âge? Dans les 45 piges, comme moi. Les moustaches, ça nous rajeunit pas, hein. Quoi? Oh bah tant pis, y a une sacrée, toi. Allez, rentre au vestiaire. La troisième mi-temps, c'est pas pour toi. Qu'est-ce que t'as? C'est quoi? Mais c'est quoi ce truc-là? Bah, c'est ton téléphone qui vibre. Allô? 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 Comment ça marche, hein? Oh bah... Non mais dites-moi, dites-moi comment ça marche. Non, s'il vous plaît, dites-moi comment ça marche. 3-0, écoute, je te laisse la folie. Ouais, on a gagné, hein, 3-0, ouais. Tiens, c'est pour vous, le... Pour moi? Oui. Allô? Vincent. Tiens, c'est moi, pardon. Vincent, c'est moi. C'est moi. Est-ce que c'est moi? Pardon. C'est moi. Allô? J'ai pas de gosse, j'ai pas de femme, j'ai pas de Mercedes! Vincent? Mais qu'est-ce qui m'arrive, là? Après pour ma mère, il a complètement disjoncté. C'est trop bien. Ne vous inquiétez pas, on va le retrouver. Oui, pas de problème. Oui, mais il y a quand même 1 million de personnes dans les rues, hein. Mais pas de problème. Ce truc ici. Papa? Vous voulez la carte? Je vais me coucher. De revoir ce qui restera comme une des images les plus marquantes de cette Coupe du Monde, le deuxième but de Thuram contre la Croatie. 1 minute de silence. Bravo l'artiste. Je vais tout vous expliquer. Non, parce que c'est pas si compliqué non plus, en fait. Voilà. Il y a même pas 2 heures, j'avais 32 ans. L'Allemagne nous élimine au tir au but. Ouais, demi-finale 82. Oui, voilà, c'est ça! Avec le gardien qui file une manchette à Rocheteau. Oui, c'est ça! Non, c'est pas ça, c'est Batiston. Ah non? Mais si, c'est Batiston. J'y étais il y a 2 heures. Mais c'est pas ça le problème, hein. Le problème, c'est que je suis passé direct en 98 et que maintenant, j'ai... 48. 48. 16 ans de plus. J'ai 48 ans. Mais je suis vieux. Ah non, c'est rien. Moi j'en ai 44 alors. Mais vous, l'année dernière, vous en aviez 43. Ça n'a rien à voir. Bon, si on allait discuter de tout ça au poste. Attendez, on va appeler ma femme. Parce que, justement, c'est ça le problème. Je sais même pas si je suis marié. Il y a mes copains. Il y a Laurie. Il n'y a plus personne. Mon père, c'est une pizza. Ouais.
D'accord. Oh, putain de cauchemar. Mon doudou. Ah, t'es là. J'ai rêvé un truc débile. Attends, la France gagnait la Coupe du Monde en 98. Oh, quel délire. Vous êtes qui, vous? Pourquoi vous m'appelez mon doudou? Je t'appelle comme ça, hein? Parce que c'est toi qui as insisté pour que je t'appelle mon doudou au réveil depuis qu'on se connaît. C'est chez moi, ici? Ça va te revenir. Le médecin me l'a dit, c'est juste un petit trou de mémoire consécutif au choc. Je suis pas amnésique, hein? Foutez-moi la paix! Arrête de me bouvoyer, s'il te plaît. Ok. Ok, bon. Je vais tout expliquer. Oui. C'est pas facile. Okay. Tu te souviens la paire de chaussures que je t'ai achetée? Ah bah tu te souviens de notre rencontre? Ben oui, parce que pour moi c'était hier. Mais pour moi aussi, chérie, c'est comme si c'était hier. Non, mais pour moi, c'est vraiment hier. Et pour moi aussi. Mais non, pas pour toi, non. Pour toi, il y a longtemps. Il y a vachement longtemps. Bon, oui, bah c'est comme si c'était hier, c'est pareil. Non, c'est pas pareil, parce que moi j'ai 30 ans. Mais moi aussi. Mais non! Mais non, moi aussi, t'as pas 30 ans là! T'as plus 30 ans! Mais non. Mais enfin, mais! Putain, laissez-moi seul! Laissez-moi le temps! Laissez-moi seul, putain! J'ai besoin de réfléchir. Qu'est-ce qui se passe, maman? Ça va, ça va. Papa est un peu de mauvais poil. Ouais, comme d'hab, quoi. Oui, c'est bon signe, justement. Oh, putain! Tranche de cake. Chose, mon doudou? Les toilettes, c'est toujours occupé. Mais non, mon doudou, c'est libre. Et puis la salle de bain des enfants aussi, et puis tu as les WC de l'entrée. Et puis pourquoi t'as pas été tout simplement dans la chambre, mon doudou? Je peux quand même aller où je veux, non? Hein? C'est chez moi ou c'est pas chez moi ici? Oh, mais... Et puis ça suffit, hein, que les lumières allumées partout, là, comme ça. Hein? Et puis mon doudou aussi, hein, ça suffit. C'est lui qui a fait rajouter des lampes. Il t'a pas, vous voyez, là? Où il y a une salle de bain ici? Où il y a une salle de bain? Où il y a une salle de bain ici? Allez, non. Fais-y bien, hein. 10 ans que t'as arrêté de boire du café, c'est pour ça que je t'ai fait tenter. Mais si tu veux, je peux te faire du café, mon chéri. Ça va. Quoi? Rien. Et sinon, Eric, ça va, les vacances? Ça se passe bien? Eric, je sais pas. Mais moi, les vacances, t'inquiète pas, je m'en fous. Je tiendrai le coup. Tu l'es bourre, je vais le faire exploser. Qu'est-ce qu'il a? Tu l'as privé de vacances parce qu'il a redoublé et il s'appelle Cédric. Et toi, Marina, ça va? Oui, maman Sonia. Moi, Marina, ça va. Hein. Et toi, papa Vincent, ça va? Excusez-moi. Ça va pas très bien. Je t'aime, mon petit papa adoré. Ça doit être dur. Doudou, tu te souviens que la chambre est là? Ça va. Hein? Ça va, ça va. Et pour fermer, tu... Ça va, ça va. Voilà, ça va. Très bien. Rien ne se fout là-dedans.
Voilà, c'est mon pantalon, ça. Ça me vieillit. Ouais, comme ça, c'est plus net. Bon, j'y vais. Où ça? Au bureau? Non, je vais prendre l'air. Vincent, la sortie, c'est par là. Ouais. Vincent. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas la tête à travailler. Hein? Qu'est-ce que vous avez, Sonia? S'il te plaît, arrête de me voyer, j'en peux plus. Hmm. Ok. Mmh. D'accord. À tout à l'heure. Mmh. Quoi? Mon dodo. Mais j'ai... Je t'aime en plus. Allez, tout à l'heure. Hein? Tout à l'heure. Oui. Hein? Ah, dis-moi. T'as pas le téléphone de mon père, là? J'ai un trou. Il est mort, Vincent. Il y a 8 ans. Oh, Vincent. Oh, oh non, Vincent. C'est quoi ce son là derrière l'oreille? Hein? C'est quoi? Arrête! J'ai tellement de choses à te dire. Je suis contente de te voir, mais tu peux pas savoir. Ah, je suis contente de te voir. Ah, je pensais pas que tu le ferais. Quoi? Hier, quand t'as dit si la France elle gagne, je me rase les moustaches, je pensais pas que tu le ferais. Oh, et il l'a fait! Écoute. J'ai essayé de te joindre toute la soirée hier. Bah, j'étais chez Henriette pour le foot. Oh là là, quel match! Henriette, mais pourquoi j'ai pas été chez Henriette? Au fait, hier, on t'a vu à la télé. On n'a rien compris de ce que t'as été raconté. Bah, excuse-moi, on m'appelle. Attends, René. Oui? Toi aussi, t'as un téléphone comme ça, là? C'est classe! Allez, où? Écoute bien, Ronnie, tu ne le lâches pas d'une semelle aujourd'hui. Comme d'habitude, c'est mon job. Non, mais on a eu un accident hier avec ma voiture et depuis, tu verras, il n'est pas du tout comme d'habitude. Ah, c'est ça. Et pour une fois qu'il conduit. Bon, écoute, tu me le ramènes à 4 heures, je compte vraiment sur toi. Hein. Bon, et après, tu files au garage, il faut absolument qu'il me répare la voiture pour demain. Et puis... Ça marche, je pense. Prendre les enfants à 5 heures, ils vont au Racing. Par contre, ce soir, on n'a pas besoin de toi. Bien, madame. Arrête, Popoche. Bon, je compte vraiment sur toi. La lola. Un petit tour. Hein? Tu vois, franchement, le machin qui se gonfle, je pensais pas que ça marcherait. Hein? L'airbag? Ouais. Je sais, ouais. En fait, c'est la poche à air là qui me... T'es un peu con comme nom. Hein. Le nom? Ouais, je sais, tu me l'as déjà dit, ouais. Allez, un petit tour. Je sais que ça paraît gros, mais t'es le seul qui puisse me croire. Vincent, je te crois. Oh, Ronnie, c'est vrai, hein? Mais bien sûr. Et tu sais pourquoi je te crois? Non. Parce que ça m'est arrivé à moi aussi de faire un petit saut dans le temps. Oh. Mais bien sûr. Bon, juste 5 ans, mais bon, ouais. Pour une fois que je peux le dire à quelqu'un, viens. Oh, je ne crois pas. Tu vois? Eh ben, moi non plus. T'es surmené, Vincent. T'as trop de pression en ce moment. Entre le boulot et Sonia, faut que tu souffles. Non, prends-moi. Hé hey. Sinon, t'as la poche à neurones qui va exploser. Je suis pas dingue. Il y a Mésic.
ni schizophrène, ni psychotique. Je suis normal. Je suis totalement normal. Regarde, regarde. Tu vois, voilà. Tu vois, regarde, je suis normal. Je suis lucide. Bon, alors qu'est-ce que tu cherches là? Un prétexte? Pour rompre avec Sonia? Sonia. Comment j'ai pu vivre avec cette femme, moi? Ça, je t'avais prévenu que c'était pas une femme pour toi. En plus, à l'époque, elle te demandait rien, tu l'as quand même mise en cloque. Mais c'est toi qui t'es senti obligé. T'as culpabilisé à mort. Ça, c'est ton côté juif. Tu t'es mis dans la merde tout seul. Seulement aujourd'hui, tu peux plus reculer. Si t'annules le mariage, je te raconte pas les dégâts. Hé, monsieur! Quoi? Bonjour. Quoi? La tombe de Maurice Degan, s'il vous plaît. Quoi? Mais quoi? C'est la parcelle 22. Quoi? Mais oui, écoute, surtout avec le monde que vous avez invité. Même si t'avais envie de dire non, je sais même pas comment tu pourrais. Quelle merde! Eh ben. Et en plus, je me marie là. Mais quelle merde! Pardon, papa. Le salaud qui n'est pas venu te voir, c'est pas moi. C'est l'autre. L'autre moi. Si tu savais dans quelle merde je suis. Marc, si tu m'entends, tu dois le savoir. Tu dois tout savoir. Même pourquoi j'en suis là. Et qui m'a fait ça. Parce que si ça se trouve, c'est un coup de... Tu dis que c'est quand le mariage? Demain. T'as une autre question con, là? Quelle merde. Bonne journée, monsieur le président. Bonne journée, monsieur le président. Bonne journée, monsieur le président. Bonjour, monsieur le président. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Eh, Vincent. Sympa. On va à ton bureau, là. Non, je ferais bien un petit tour avant. Ouais. Devant cette boîte à chaussures, confiée gracieusement par Madame Degan, que notre président directeur général a eu l'idée du concept et de l'emballage carrément recyclable. Tu la connais, ta vie? Attends une seconde. Fidèle à ses convictions écologiques, Vincent Degan n'a eu de cesse de préserver l'environnement au travers de ses nouvelles productions, prouvant ainsi qu'industrie et écologie n'étaient pas contradictoires. Et la poche arrière, c'est pas mal, mais enfin ça, c'est pas mal aussi, hein? Ouais, c'est ça, ouais. Ce tableau électronique comptabilise le nombre d'arbres sauvés par la société Degan International depuis le début de l'opération. Ça, c'est pas mal aussi. Hein. Via les nombreuses associations humanitaires dont il est le fondateur, ce Bill Gates de l'emballage aide ainsi les pays du tiers-monde à sauvegarder leur patrimoine naturel, notamment les forêts tropicales humides. C'est quoi un Bill Gates? Les enfants, vous pouvez un héros du monde moderne comme toi. Mais vous ne touchez à rien. Je vois pas. Hein. Tu fous de ma gueule, là? T'as dîné chez lui, l'année dernière à Seattle, le web. Le web. Internet, quoi. Et c'est vous? C'est Vincent Degan, mais sans les moustaches! Ah ouais, je l'ai vu à la télé. C'est beau, hein? On l'a fait, ce carton, alors? Tous les deux, ensemble, on l'a fait. C'est bien. Ouais. Et Lionel, il... Oh bah alors lui, hein. Quoi? Tu te souviens sa photo en treillis qu'il nous avait envoyé du Nicaragua, entre les deux sandinistes, avec sa queue de cheval? La tronche des deux types, hein. Mais non. Les sandinistes, les deux gonzesses. T'as aucune mémoire. Les deux mecs, c'était la photo du kibbutz, avec sa bêche à la main et les cheveux en brosse. Ah oui, ouais, c'est... Attends, quand tu le vois sur la dernière qu'on ait reçue, avec le crâne rasé. Il est devenu facho? Avec sa toge orange et le moulin à prière.
Oh. Tiens, attends. T'es toujours sur moi. Lionel. Il y a pas mieux pour se marier avec un coup de déprime. Quoi? Ah, non, je l'avais pas eu, celle-là. Ah bon? Non. Ah ben, remarque, pour lui, les capitalistes, c'était des enculés. Hein. Quoi? Bah quoi? Vous étiez à des années-lumière. Il n'a plus rien à vous dire. Ohm 440, ohm 440. Ça colle pas, ça. Il sait ce qu'il faut, maintenant. J'espère juste qu'il est heureux. Moi aussi. Arrête, tu vas me faire pleurer. Ah, excusez-moi, monsieur le président, de vous déranger. Je suis vraiment désolée. Alors, j'ai le rapport sur notre mécénat en Inde et à Pachu Patinath, ce que vous m'aviez demandé. Ah bon, voilà. Bah merci, merci. Ah, c'est des moustaches. Ah oui, oui, non, oui non, parce c'est... que je disais... D'accord, excellent. Alors, notre bilan est ultra positif. Hein. Nous avons donc construit une école, hein, comme vous le savez, une unité de soins. De plus, les 4 pompes à eau solaire d'eau permettent un système d'irrigation... Vraiment, monsieur le président, je vous le dis du fond du cœur, vraiment, je trouve que vous faites un travail magnifique. Je suis vraiment fière de travailler avec vous. C'était... Merci, Michaud. Merci, Michaud. Ben, de rien. Le rapport. Merci, Michaud. Tu patinates, mais c'est pas là où tu t'es acheté le chien à ma tête de singe? Le chien à ma tête de singe? Oh, la mémoire. Attends, ça fait bien 15 ans. 16. Pacho patinate. Oh, le coup de vieux. Ah, tu m'as tué, là. Mais comment tu te souviens de tout ça? Mais c'est dingue, ça. C'est parce que c'est là que j'ai rencontré Laurie. Non, Laurie. Ah, et attends. La grosse Australienne, là, que t'avais... Ah, quelle salope. Mais non, Laurie, quoi. Enfin, écoute, Laurie. Autant le chien à ma tête de singe, oui. Autant Laurie, Laurie, quoi. Attends, c'est pas grave. Si je me souviens pas d'une petite gonzesse que t'as niquée il y a 16 ans et qui était pas salope. Bah... T'es avec des salopes. T'es avec des salopes. Oui, mais Laurie... Ah, président. Je vous remercie. On n'a plus besoin de toi, papoche. Mais enfin, mais Renie, attends. Bah, Renie. Quoi? J'ai oublié quelque chose? Non, on va pas se quitter comme ça. Mais t'inquiète, je bouge pas, je suis dans le parking. Qu'est-ce que tu fais dans le... On y va, président? Allez, à tout à l'heure. Tu vas avoir une voiture bien propre. Mais il va pas rester toute la journée dans le parking? Qu'est-ce qu'il fait dans le... Oh non, ça, c'est parce que ça a rapport avec l'airbag. Sinon, il invente un nouveau truc. Oh, franchement, il en fait, mais il se porte entre nous. Il a de la chance de vous avoir eu comme ami d'enfance, parce que franchement, avec tous ces accidents, je sais pas qui d'autre l'aurait pris comme chauffeur. Je vous suis, président. Je vous suis, président. Président? Bonjour, monsieur le président. C'est parce que je voulais un café. C'est pour ça. Mais enfin, c'est quoi? Mais enfin, c'est quoi ça? J'ai juste besoin d'un café. Quoi? J'en bois peut-être jamais, sauf qu'aujourd'hui, j'ai envie d'un café. J'ai envie d'un petit café. Voilà, c'est tout. L'un n'empêche pas l'autre. Mais bon, ce sera quand tu le sens. Si c'est le mariage qui change entre nous, tu me le dis, Vincent, parce que moi, je m'en fiche. Bon, ton agenda, regarde, ce qui est souligné en rouge, c'est le défilé avec l'équipe de France. J'ai pu te rajouter tes 2 rendez-vous avec les filiales, mais m'en demande pas plus, t'es surbooké jusqu'au conseil, surtout qu'il y a le mariage. Ah oui, j'ai insisté pour que sur le bus, ils te laissent à la droite de Zidane. À la droite de qui? C'est illisible, votre truc-là. Avec ça, ce sera mieux. Zidane. Avec la petite lumière, ce sera encore mieux, mais comme t'as voulu tout éteindre... Eh ben oui, je sais, c'est flippant, mais qu'est-ce que tu veux? Tout le monde veut te voir avant le conseil, ils attendent tous ta décision. Le jour J, c'est demain! Quoi? Ah non, ça va pas recommencer, putain. Hein? Quoi, ma décision? Quoi, le jour J? Quoi, demain? Non, ça va pas recommencer. Hein? Ils me font chier, là. Ils me font chier tous, là. Tous. Mais qu'est-ce que t'as, Vincent? Je sais pas. Voilà, je sais pas. Je vais leur dire merde à tous! Et c'est tout! T'as besoin de te détendre. J'ai
besoin de réfléchir, voilà. Vous me laissez seul, vous me... Non, vous ne me touchez plus. Vous ne me touchez plus, madame. Vous me laissez seul, s'il vous plaît. Vous me laissez seul, s'il vous plaît. Si tu permets les moustaches, t'aurais pas dû, monsieur. C'est quoi, ça? Vieux, là. Je suis vieux, je suis qu'avec des vieux. Qui c'est ces vieux, là? Oui? Je voulais savoir comment tu allais, mon chéri. C'est Sonia, ta femme. Ah oui. Ah, ça va? Et vous? Et toi? Ben je pensais fort à toi. C'est tellement romantique de se marier après 15 ans de vie commune. 16. Quand tu m'as demandé en mariage, j'étais tellement émue. C'est le plus beau jour de ma vie, Vincent, tu sais. Et puis, le suçon, je m'en fiche. Parce que je t'aime. Et toi? Je te rappelle. Oh, ça vous va bien? C'est pas le vrai. C'est le vrai. C'est le vrai. C'est le vrai. Steve Michon dans mon bureau, s'il vous plaît. Oui, monsieur le président, tout de suite. C'est monsieur Durand au téléphone, vous le prenez? Qui? Monsieur Durand. Moïse Durand, vous savez. Non, je sais. Oui? Non, désolé, il n'est pas encore arrivé. Oui, oui, bien sûr. Il a demandé à ce que vous le rappeliez avant demain. Ça a l'air important. Ah, d'accord. Je peux vous emprunter le magazine? Je vous le ramène. Entrez. Michaud. Michaud, parfait. Venez. Entrez. Michaud. Michaud, venez. Faut. T'as rasé la moustache, ça te change, hein? Ben alors, mon vieux, qu'est-ce que tu fous? Et notre réunion? Je t'attends dans mon bureau depuis un quart d'heure. Allez, viens. Non, allez. Attends, deux secondes. Michaud, j'ai un dossier très chaud à vous confier. Ultra urgent. Ultra confidentiel. Ok. Voilà. Je veux un topo complet sur le voyage dans le temps. Ouf. Oui, je sais, ça paraît un peu comme ça. C'est parce que j'ai une idée. J'ai une idée et il me faut toutes les solutions possibles à un problème précis. D'accord. Un type. Un accident de voiture.
Il est projeté 16 ans plus tard. Il veut revenir 16 ans plus tôt. Ah oui, je sais. Non, ça a l'air très... Bon, je compte sur vous, Michou. Le plus vite possible, hein. Pas de... Même ce soir. Crédit illimité. C'est bon. Allez, grouille. Allez, ça, on verra ça tout à l'heure. Ah, mon vieux, j'en ai marre de ce plat, tu veux pas savoir. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Oui, ça fait un bail, mon pauvre. Puis t'as forcé un peu, hein, aussi. Oh, bah non. Là, t'es vache. Je viens de perdre 20 kilos. Ah oui? Ah oui? Ah bon? Ah non? Mais c'était si grave que ça, ton bras? Ouais, bah dis donc, je t'en veux pas, mais fais attention la prochaine fois. Tu me l'aurais mis dans la tronche, ton club. J'étais Elephant Man, moi. Bon, on fait potting aujourd'hui, tranquille, hein? Mais oui, forcément, un plat de 16 ans, je suis con. Ça va pas? Tu te souviens, il y a 16 ans. Ah, ça me fait plaisir que tu y penses, toi aussi. 16 ans, jour pour jour qu'on a signé ensemble. Joyeux anniversaire, Vincent. T'es mon seul pote, mon vieux. Tiens. Tiens. Ah, non, je peux pas accepter. Allez, ouvre. Quand on est allé à Genève l'autre fois, bah, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Elle te plaît? Non, bah, comme t'as hésité avec l'autre... Mais j'ai rien pour toi, moi. Un jour, t'y penseras, mon vieux. Et puis le plus beau cadeau que tu puisses me faire, c'est de la réussir demain, ton opéra de pirate. T'as eu une idée géniale, Vincent. On va devenir les number one. Les containers pour déchets radioactifs, c'était le marché qui nous manquait. Tu vois, quand on a signé, ben, je pensais quand même pas que t'irais si loin. Dire que t'as hésité il y a 16 ans. Et franchement, dis-le-moi franchement, maintenant, entre nous, tu regrettes pas. Ton putain de compteur, là, c'est dommage que tu puisses pas le faire breveter. Qu'est-ce que je sauve comme arbre, moi, en ce moment? Fidèle à ses convictions écologiques, Vincent Degand a eu de 16 ans. Bravo! Le président s'en va. Tu vois, là? Ouais, je le vois. Je m'en occupe. Mais il était furieux. La veille d'une OPA, tu plantes pas comme ça le président des petits actionnaires. Bon, je l'ai rattrapé de justesse. Mais j'ai dû grossir l'enveloppe. On n'a rien à foutre. Ouh, bah c'est pas la forme. Mais écoutez. Écoute, Vincent, tu devrais me sauter, je t'assure, ça te détendrait. Ça. Moïse Durand. Quoi? Non. Enfin, qu'est-ce que t'as, Vincent? D'habitude, le matin, c'est thé, pipe et CAC 40. Eh ben, aujourd'hui, je veux juste du café et des cigarettes. Tu ne fumes pas? Stop! Là, il y a un tabac, là. Et le CAC 40? Pour papoche. Cigarette. Attends, Rony, attends. Vous voulez quoi, là, en fait, hein? Vous voulez être mon esclave? Si ça peut te détendre. Cigarette. Le mariage, ça ne te réussit pas. Qui te prend? Mais elle a la capa d'appeler Popoche, ça m'énervait. Mais comment tu peux accepter ça, Popoche? C'est débile, Popoche. T'avais qu'à pas commencer, mon pote. C'est ce truc, là. C'est Carole. Et merde! Ah bon? Tu peux pas l'acheter comme ça? J'en ai rien à foutre. Je suis le président ou je suis pas le président? Pourquoi ton téléphone, il sonne et le mien, il vibre? Parce que j'ai moins de fric que toi. Et donne.
te mets sans sonnerie. Chouchou ! Mon chouchou ! Mais il n'a pas changé. Mais tu peux pas savoir ce que ça me fait plaisir. Non, tu peux pas savoir. Eh ben voilà ! Voilà, mais ça au moins, ça a pas bougé ! Ça bougerait. Est-ce que je bouge, moi ? Tiens, Ronnie, va là-bas, ta table qui se libère. Mais t'as eu les lunettes ? On la voit plus rien. Salut, Nono ! Salut, Nono ! Va, Fando ! Bah oui, c'est lundi. Toi, de ce bus, il y a même une place à côté des méchaquets. Qu'est-ce que je me suis fait chier pour que tu y sois ? Vraiment, parce que c'est un jour qui... Non, mais on est les rois, là ! Ton furiette avec mon pote comme avant ! Chiche ! Eh oui. Toi, ça te change, toi. Ça y est, on a gagné. Je la rallume dans 4 ans. Donne-moi. Moi. Quoi? Tu sauces, tu fumes, tu bois du café, tu veux plus de pipe et tu t'intéresses plus au CAC 40. Je sais même pas ce que ça veut dire. Ne me prends pas pour un con, s'il te plaît. C'est pas un petit accident de bagnole de merde qui te fait déjanter, il y a autre chose. C'est le mariage. Je crois que j'ai juste besoin de savoir comment j'en suis arrivé là. Waouh ! Tu me fais le blues du milliardaire ? Tu vas me faire pleurer, monseigneur ? Pourquoi tu me parles comme ça tout à coup ? C'est parce que j'ai pas le bonnet à clochette que ça te choque ? C'est dans notre contrat, non ? Notre contrat moral ? Si un jour tu... Moi je devais... Alors voilà, je crois que c'est le jour. Ça doit être l'OPA qui te... Tu vas devenir numéro un. I am the king of the world. Alors t'as les jetons, tous ceux que t'as écrasés pour en arriver là te demandent des comptes. Et fais pas cette tête d'innocent là, de pauvre victime qui comprend rien là. La preuve, t'as même été sur la tombe de ton père. Alors que... Hein? Alors que quoi? Bah vas-y! Bah vas-y, puisque je te paye pour tout entendre! Il est quand même mort à cause de toi, ton père. C'est pas parce que je m'appelle Popoche que je suis une buse. Tu te sers des autant que tu peux et après tu les jettes! La pauvre Carole qui vient de s'en prendre plein la gueule pour pas un rond. Sonia que tu demandes si tu vas pas l'acheter demain, alors que c'est une femme super qui t'a tout donné. Lionel qui t'a quand même envoyé des cartes postales et auxquelles t'as jamais répondu. Et moi, hein? Tu me jetteras quand? Tu me nargues avec l'airbag, mon salaud. Va. Mais si tu y avais cru à ma poche à air comme moi j'y ai cru à ton carton de merde, je me laisserais peut-être pas fait chourer. Tu penses qu'à toi? T'as même oublié que je fumais plus. Remarque, c'est normal. Quand j'ai eu ma chimio, t'es même pas venu. Il y a un et deux et trois. Trois mois. Trois mois à l'hôpital et t'es même pas venu. Et il faut dire que deux gars international entrent en bourse. Alors là, le CAC 40, tu savais ce que ça voulait dire? Le CAC 40! Hein? Eh, hey, viens-moi si tu veux. Je m'en fous. Je me sens bien. Monseigneur. Salut, poche à merde. Avec des clients comme toi, je vais pas user mon lave-vaisselle. Hein. Ça fait plaisir, chouchou. Tu veux un peu de rap? Non. Non. Sinon, j'aurais plus de place pour tes petits sablés. Ça fait longtemps que j'en fais plus. Mon Gaston s'est tout fait avec. Tu pourrais pas te finir. J'en ai marre, là. Faudrait juste faire une prière pour mon père. C'est-à-dire que... Vous voyez que je... suis pas très pratiquant, quoi. Mais... Justement, vous croyez que Dieu, il peut faire des trucs incroyables comme ça? Ça s'appelle des miracles. La traversée de la mer Rouge, par exemple. Ouais, bien sûr. Enfin, tout ça, c'est des miracles de groupe. Alors forcément, tout le monde y croyait. Quoique ça pouvait être une hallucination collective. Ouais, non, enfin, c'est... Laissons tomber.
Non, l'important, c'est est-ce qu'il peut faire des petits miracles individuels, quoi. Oui. Est-ce qu'il peut faire un truc pareil à quelqu'un qui croit pas en lui, mais pas du tout. Mais Sugar, c'est pas lui qui a dit à la télé que c'était l'Allemagne qui avait gagné. Oh, il y a Broch, Bendel. Je suis sûr que c'est encore ça. C'est... Mais voilà, gagné. Ah, il me casse les pieds, Moïse, hein. Désolé, votre histoire, elle est quand même dure à avaler. Comment elle est dure à avaler? Et vous, là, ce que vous étudiez, vous croyez que c'est pas dur à avaler? Hein? C'est honteux. C'est bourré de types à qui il est arrivé des trucs incroyables. Il y en a un, il parle couramment avec Dieu. Un autre, il se frite avec un ange. Et le plus beau, Moïse. Hein? La mère, elle souffle devant lui. Il cause avec un buisson ardent. Il redescend avec les 10 commandements. Oui, pas une... Désolé. Allez. Mais la malo. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi pas? T'as mis trop de malot aussi pour. Ma ou tabaïa, hi ha prira chofshit. Allez, nous l'ishta mechba. Kacher Elohim itzia et a Torah la goyim. Eh, mais si sou, velama, velama lo, veze, ze, meot misoubach. Je comprends rien. Laissez parler Rabbi Shlomo, je vous traduirai après. Ouf, son fauchel d'abar. Ayoudi mabrou, ken, na se vinishma. Vize lo yakal. Ma chez Elohim ratsaler hot, chez Ben Adam tsarich lifro, afilo avour zougla alaï. Imlo, ana shimacherim, bocharim bishvilcha, veko avot lecha haraglaï. Ah! Alors là, le coup des pompes, il m'a scié, mais c'est incroyable qu'il ait vu juste comme ça. Les portes du ciel se sont ouvertes pour lui. Ah, c'est ça. Oh, mais c'est dommage qu'il n'ait pas le temps, parce que moi j'ai plein de trucs à lui demander. Là. Ben, il m'a même pas dit comment il faut faire pour revenir en arrière. Et c'est quoi, Ramcha? Et il doit penser que quelqu'un vous a mis le mauvais veille. Oh, regardez-la. On sait jamais. Shalom. Shalom. Merci. Eh oui, Franck, cette Coupe du Monde, elle est à toi, comme elle est à Djorkaeff, comme elle est à Zidane, comme elle est à Deschamps. Tu as été peut-être le dernier appelé. Ça va? Mais qu'est-ce qu'il y a, Shlomo? Je crois que j'ai fait une grosse connerie en 82. Arrêtez, les enfants! Mais c'est lui qui a commencé! Non, c'est lui! On met pas l'œil jamais à personne, d'accord? Khamsa, Khamsa! Khamsa, Khamsa! Khamsa, Khamsa, Khamsa! Tu te souviens de mon cousin, à qui j'arrêtais pas de mettre l'œil? Eh ben, je lui ai vraiment mis l'œil. Mais tu n'as jamais cru à ça, Shlomo. Ça n'existe pas, c'est des histoires pour les enfants. Ça va. J'ai fait une grosse connerie. On dit pas ça, papa! Mais mon doudou, l'OPA s'annonce bien. Ouf. Parce que moi, j'ai passé une journée de merde! Je t'ai cherché partout, j'ai cru que t'étais arrivé quelque chose! Tout le monde t'a cherché partout, Forçant, Ronnie, encore ce Moïse Durand qui t'appelle trois fois par jour! Carole était hystérique, je sais pas ce que tu l'as fait! Et moi, alors là, moi, hein, entre le commissariat, les hôpitaux, les enfants, les Champs-Élysées bloqués par l'équipe de France, le traiteur pour le mariage, le téléphone qui n'arrête pas de sonner, et le suçon, là, merci, merci, merci! Content d'être champion du monde! Mais ton vieux robe de vieux con, t'es dans quoi à fond depuis ce matin? T'as plus l'âge, mon vieux doudou! T'as plus l'âge! Et voilà, ça continue. Ah, c'est facile. Oui? C'est pour toi. Je suis pas là. Je suis là pour personne. Même pas pour moi. Non, non, ma petite Carole, c'est impossible de l'étendre. Non, c'est gentil. Et il est pas là. Il est pas là du tout. Au revoir. T'es où, Vincent? T'es où, exact? Vincent! Vincent! Qu'est-ce que tu fais? Donne-moi ça! Il est vraiment mort à cause de moi, mon père. Vincent, tu te souviens vraiment pas? Il faut qu'on retourne à l'hôpital, mon chéri, tu te rends pas compte? Tu as raconté à la télé que la France avait perdu, tu t'achètes des habits, c'est n'importe quoi, tu veux te suicider. J'ai pas trouvé les balles. On en a pas, Vincent. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon père? C'est à cause de ta filiale au Koweït. Il te servait de prête-nom. Ça nous a permis d'avoir cette maison, entre autres. Seulement quand ce petit juge de merde a voulu faire du zèle, ton père a préféré rester là-bas. Et puis, il y a eu la guerre du Golfe. La quoi?
Il a été fauché par un scud. Un quoi? Un scud. Un missile russe. Pendant la guerre du Golfe. Vincent, qu'est-ce qu'on fait pour le mariage? Non. Oui, non. Désolée, mon petit Michaud, je ne peux pas... Hein, quoi? C'est Michaud! Ah, c'est Michaud! C'est Michaud! C'est Michaud! Michaud! Oh, Michaud! Michaud, Michaud, Michaud! Excellent, Michaud! Oui, continuez, on y est là. Pour conclure, et en conclusion, donc ce serait une sorte de court-circuit temporel, si vous préférez mieux. Ah, c'est excellent, Michaud, là. Continuez, continuez. On y est, là. Bon, on y est. Donc, tant mieux. Alors, le cobaye se trouverait dans un sas spatio-temporel. Dû à la différence entre le temps civil... Le temps lunaire, le temps solaire et le temps d'y penser pour... Ah, Michaud, vous compliquez tout, là. Vous compliquez tout, là. Oui, mais là, c'est pas un dossier comme les autres, c'est de la théorie pure, vous savez, c'est vachement... Bon, allez-y, allez-y, on y va, Michaud, on y va, je vous écoute. On y va. Bon, alors, selon la théorie de... Comment il s'appelle ce con ? Einstein, le temps peut se présenter sous forme d'une courbe aléatoire, donc il n'est pas le même partout. Il est lié, entre autres, à l'espace, donc au lieu, on sait ça depuis qu'on est dans les trous noirs. Mais le type, dans sa bagnole, comment il fait, lui, Michaud ? Comment il fait, lui ? Je veux ce con. Ne quittez pas, monsieur Fulgent. Ne quittez pas. Michaud. J'ai ce jour, monsieur le président. J'ai ce jour. Et là. Oh. Il me faut. Eh ben, allez-y. Allez-y. Oh, tu sais. Il me. L'English. Non. Oh. Mmh. Putain, je n'entends plus, j'entends... Michaud, je vous entends plus, là, hein? Yes! Yes! Oh là 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 là! Il faut recréer les mêmes conditions dans les mêmes circonstances, monsieur le président! Yes! Ouais! Oh là 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 là! Allez, au revoir, Michaud! Hello! Tu me dois une explication, Vincent. Tu vas la voir. Vous allez tous la voir. Eric, Karina! Cédric! Marina! Pourquoi t'as pris ma voiture? Pourquoi tu conduis comme ça? Vous avez mis la ceinture? Ouais. Mais où on va, chérie? Je retourne chez moi. Toujours là. Ils sont là. Ils sont tous là. Oh. Faudrait pas que ça devienne une habitude, hein? Oui, parce que là, on n'est pas dans la... Eh oui. On n'y est pas. Non, pas du tout. Mais si tu veux... Ah, un peu plus. Arrête. Doudou, chérie. Papa!
pas marché. Ça va pas, non? Nickel. Alors comme ça, c'est votre père, il connaît pas vos prenoms. Bien. Et dis-moi, Degand, là, ce serait pas comme les... Poubelle, c'est ça. Je suis le fils des poubelles. Et il a quelque chose contre les colonnes Maurice? Mais non, c'est nous, il a quelque chose contre nous, enfin. Marche alors là, faudrait alors pas. Alors là, faudrait pas. Marche pas. Non, marche pas. Marche pas. Ouvrez! Ouvrez! S'il vous plaît, monsieur Degand. Faites quelque chose. Ben oui, mais il a fermé. Je suis toujours là. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on fait pour le mariage? Même condition, même circonstance. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Monsieur Degand. Monsieur Degand. Non. C'est dingue. C'est complètement dingue. Personne ne peut croire cette histoire. La folie pure, là. C'est dingue. C'est complètement... Tiens, là, par exemple, je mange de la pizza. Si ça se trouve, à mon âge, j'aime plus la pizza. Et pourtant, je la mange, j'aime ça. C'est dingue. C'est complètement... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Quel âge j'ai, là, pour vous? 40 ans. T'es fou. 45, 50. Au moins. Un homme de 50 ans fait ça, hein? Non, c'est des blagues d'un jeune con de 30 ans, ça. J'ai 30 ans, moi, j'ai 30 ans! J'ai 30 ans! T'as compris, toi? J'ai 30 ans. Tes cheveux sur le dessus. Oula, ça pardonne pas. T'es mariée, non? On m'a dit que finalement, tu as des enfants. Ils sont grands?
Dans les 13, 14, 16. Enfin... Oui, toi, les enfants. Tu sais comment ils s'appellent, quand même. Eric. Non, Cédric. Le garçon. C'est de... Attends. Mais dis donc, la fibre paternelle, toi, c'est pas ton truc. T'es heureux, sinon? Ah non, Vincent. Ah non, mais écoute, me fais pas le plan, je reviens 16 ans plus tard avec les croissants, je regrette, t'as pas changé, t'es même mieux qu'avant. J'ai eu deux enfants avec une autre, mais c'est toi que j'aime, j'ai recommencé tout à zéro. Non mais c'est ridicule. Enfin, Vincent. Ouais. C'est ridicule. J'ai pas fini. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu pleures 16 ans trop tard, oui. Moi, j'ai pleuré sur le moment, moi. Je suis normale. Et j'ai pleuré. J'ai cru que j'allais crever. Et puis tu vois, non. Je suis toujours là. Encore mieux qu'avant. Café! Ça va refroidir. Bon, ben j'en fais d'autres, hein. Tu as fait ton choix, t'as fait ton choix. Non, justement, c'est ça. J'ai pas choisi. J'ai rien choisi. Oh, on peut pas revenir en arrière, ma sœur. Toi, peut-être pas. Moi, si. Parce que toi, ces 16 ans-là, tu les as vécues en Inde. Hein? Tu t'es éclaté quand même. Bon, ça a peut-être été dur par moments, mais tu t'es éclaté. Tu les as vécues, quoi. On me les a volés. Et deux petits noirs. Oh, Henriette! Non, attends! C'est pas le moment, c'est pas le moment, les cafés! Henriette! Gaston. Le sablé. Gaston, putain, c'est ça. Ouais, le sablé, c'est ça. C'est le sablé. Gaston. Enfin, Vincent, faut avouer que c'est quand même un peu dur à admettre. Ouais, eh ben, j'y arrive bien, moi. Hein, j'arrête pas d'essayer d'y arriver. C'est là. Gaston, okay, ils sont fermés. Ah, tu me t'aides, toi? Oh, monsieur Degand. Mais j'ai pas encore réparé votre voiture. Déjà hier, on a fait le maximum, mais... elle a souffert. Elle est là. Prince, sors de là. Hein? Non, non. Non. C'est moi. C'est moi. Aïe, aïe. Je l'ai! C'est bien ça. Pensez si je m'en souviens. On est pas fait d'autre depuis. Aïe! Ah! Alors, bien, ouais, tu vois? Hein, comment t'expliques ça, toi? Comment t'expliques? Comment t'expliques? Alors, je... Hein? Vas-y. Eh ben oui! Il a 16 ans! Ah ouais, tu vois, il a 16 ans de plus. Comme moi. Et lui, il est pas pourri. Je suis devenu un mec odieux. Tiens, voilà ce que je suis devenu. Les poubelles de gants. Thank you. Et alors, t'as réussi, elles sont écolo, tes poubelles. C'est ce que tu as toujours voulu. Mais c'est bidon, ça. C'est bidon. Attends, quand, mais pas tes pièces. C'est bidon, ça, tu vois. On va plutôt t'acheter des bonbons, OK? Ça sera pas perdu pour tout le monde, quoi. Tu sais ce qu'il va faire cet après-midi, Vincent Degand? Une OPA. Une OPA sur les déchets radioactifs. Il a racheté une société de traitement et stockage de déchets pour devenir les numéro 1 de la pourriture. Il me dégoûte, ce mec-là. C'est pas moi. Ça peut pas être moi. Le type que tu vois là, à la place de moi, c'est pas moi. Les passagers du vol Air France 376 à destination de Bombay sont priés de se rendre à la porte 42 pour l'embarquement. Tu aurais dû venir à l'aéroport il y a 16 ans, Vincent.
Allô, c'est toi? Oui, Laurie, c'est moi. Oui, vous êtes pas partie? Ah, bonsoir. Oh, j'ai tellement eu peur de vous rater. Ah, il faut que je vous parle avant que tu partes, là. Je suis dans le hall. Vous êtes où? Vous êtes où? Désolée, je ne peux pas, je monte dans l'avion, là. Non, attendez, j'ai un truc ultra important à vous dire. Attendez, j'arrive. Laurie, vous êtes... Tu es à quelle porte? 42, mais... 42. Où est-ce qu'ils l'ont mis, la porte 42? Vous êtes où? Laurie! Elle est où? Vous êtes où? Hé! Hey! Là-haut! Là-haut! Ah! Oh! Oh là là! Oh, je m'en veux. J'avais tellement de choses à vous dire, là. Tout ça à cause de ce crétin, là, qui m'a squatté la matinée avec ses délires, là. Mais ne vous en faites pas, Steve, on se revoit dans 6 mois. Quoi? 6 mois? Ah non, c'est pas possible! Non, c'est pas possible, 6 mois! Ah non, mais j'ai trop de choses à vous dire! Oh là là, tout ça à cause de ce voyage dans le temps de merde! Attendez, de quoi vous parlez, là? Mais de votre mécène! Mais il s'est pris en tête, là, l'idée de sauter 16 ans de sa vie en arrière, là. 16 ans, 50 ans, 20 ans, 30 ans, je m'en fous, je m'en tape, qui crève. Ce qui est important, c'est nous, c'est toi, Laurie. Mais je m'en sors pas. Je croyais que c'était vous, mon mécène. Oui, c'est nous. C'est vous ou c'est lui? Mais c'est lui, c'est nous, c'est tout le monde. Enfin, tout est... ce qui est important, c'est tout. Tu comprends, c'est... Oh, merde, j'ai plus de raison. Je vous aime! Je vous aime, Laurie! Allez, mon pote, va. Mets la dose, va. Il me bouffe la vie, cet enculé. Oh, putain, enculé! Monsieur le Président! On vous cherche partout! Parce que vous faites la nuit, vous allez pas partir, vous aussi. Mais non! Parce que j'ai besoin de vous. Mais oui, mais... Je compte sur vous, mais je... Oh, Vincent! On a de la même trempe, tous les deux. Oui, Vincent, on a de la même trempe. Laisse! Oui? Oui, Michaud. Mais qu'est-ce qu'il faisait à Roissy? Et vous l'avez déposé où? Hein? Mais qu'est-ce qu'il faisait dans une synagogue? Bon, Ronnie. J'y vais. J'aime bien quand tu m'appelles Ronnie. Alors, qu'est-ce que je veux savoir si on annule pour le mariage? Je leur dis que le vieux est ouf? Tous ouf. Oh! Mais qu'est-ce que vous faites là encore, monsieur? Non, c'est parce que je voulais voir monsieur le rabbin, parce qu'il m'a dit des choses tellement incroyables. L'autre fois, vous savez, il y a des gens, on se sent tellement proches, c'est rigolo. Désolé, il peut pas vous voir. Mais il est là, il faut absolument que je lui montre quelque chose que je n'avais pas hier. Et c'est très, très, très important. Il est caché, au moins? Ah bah, ça vient de chez Henriette, hein. Partez, s'il vous plaît, ou j'appelle la police. Quelle police? Ok, merci, Michel. Allez, viens. Oh, pardon. Pardon, merci. Nous, t'as été traîné comme ça? Tu m'en veux pour hier? Si on peut plus s'engueuler, on n'est plus des potes. Mais qu'est-ce que tu bouffes, là? Non, mais tu peux pas comprendre. C'est ah bon? Une chose, c'est important, c'est... Bah tiens, mets-le là-dedans. C'est un truc que j'ai inventé pour les gamins. Regarde, le gâteau dedans, protégé. J'ai appelé ça la poche à gâteau. Pas une super idée, ça? T'appellerais pas ça plutôt le cake bag ou l'air cake, non? Non, mais écoute... Viens. Fais ce que tu viens de faire, là. Avec tes mains, là, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait, là? Qu'est-ce que t'as fait? Ah, le... Oh, putain! Vincent! Lionel! Oui? Oh! Mais qu'est-ce que tu fous? Quoi? Capelle, monsieur. La qui quoi? La kippa. La kippa. Salopard! Je suis même pas venu à ton mariage, mais je savais même pas que t'étais marié. Tu comprends le truc, Lionel? Ah non, maintenant c'est Shlomo, Vincent. Samuel. Ronnie. Moi, c'est toujours Ronnie.
Samuel, t'essaies de revenir en 82, ça marche pas. Ouais. Je sais pourquoi. C'est parce que tu penses qu'à toi. C'est une épreuve, ça. Dieu t'envoie une épreuve. C'est pas toi qu'il faut sauver, c'est ton père. Eh les mecs, vous vous rendez compte quand même que vous allez demander à Dieu de le renvoyer 16 ans plus tôt, là. Attends, Dieu veut bien te renvoyer en arrière, mais si c'est pour sauver ton père. Tu crois? Ouais. Si ça marche, je me coupe le bout. Allez, répète après moi. Mmh. Vas-y. Shema. Shema. Israël. Oui. C'est monsieur Moïse Durand qui insiste. Mais qu'est-ce qu'il me veut depuis hier? Moïse Durand. Il est à moitié juif ou la moitié honte? Il m'a dit qu'il vous attendait depuis une demi-heure, vous savez. Non. Non. Shema. Shema. Israël. Israël. Adoshem. 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 Ah, là, monsieur le président, je savais pas que vous étiez musulman. I don't know, monsieur. Bon, allez, shalom, les gars. On reprend. Je sais pas. Non, je le sens plus, là. Vous me faites pitié, là. Moi? Oui. Alors, monsieur n'est pas content de sa vie, et il veut tout changer. Pas tout, juste 16 ans. Parce que les autres, ils ont peut-être pas envie de se retaper ces 16 ans. Ils sont peut-être contents de leur vie, eux. Tiens, mon Erkek, si tu repars, qu'est-ce qu'il devient? Et Sonia? Et lui? Il va retourner chez les bonzes? Essayer encore autre chose? Hein? Alors moi, je serais toi. Je pèserais bien le pour et le contre. Qu'est-ce que tu fais? Je le sens plus, moi non plus. C'est dommage. Ça m'aurait fait marrer de le voir à genoux dans une mosquée. Je l'ai pas, cette photo. Attends, tu modifies une chose du cours de l'histoire, tu peux tout modifier. C'est dangereux, ça. Faut peut-être pas toucher à ce qui nous dépasse. Ah, bah il est là. Oh, mon vieux, mais qu'est-ce que t'as en ce moment? Tu m'as foutu une de ces trouilles, hein? Bonjour, monsieur. Le... Non, c'est... C'est l'OPA qui te met dans cet état-là? Si tu veux, on arrête tout, hein. On s'en fout d'être les numéro un, on s'en fout du pognon. Moi, j'ai qu'un pote, je veux pas le perdre. H-moi 5! Yes! Tu sens pas un peu tendu, là? Non, 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 non. Mais comme tu le sens, Vincent, j'ai confiance. Strike-vous, putting, c'est toi qui choisis. Monsieur le Président, vous avez trouvé la bonne solution? Alors ça marche avec Dieu? Je ne crois plus au miracle, Michaud. Alors je m'y remets? Allez, on y va, Vincent. H-moi 3! Tout ça, c'est grâce à toi et je ne savais même pas. Moi non plus. Qu'est-ce que t'as, tu sais pas? Non, c'est parce que je te vois flou. C'était moi, il y a 16 ans. Avant-hier. Des lunettes. H-moi ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas, Vincent? Ah si, ça va. C'est pour ça, ça n'a jamais été aussi bien. Quoi. Je t'aime, tu sais, Vincent. Je t'aime. Je t'aime. Moi aussi, mon vieux. Attends, tiens. Attends, regarde. Tiens. Qu'est-ce que tu fais? C'est pour toi. Mais non, merci. Mais je peux pas accepter, c'est ta montre. Ça me fait plaisir. Vincent! Pardon. Vincent! Samuel! Attends-moi, j'ai trouvé! Monsieur le Président!
Moïse Durand. Je suis vraiment désolée, je sais que c'est pas le moment, mais il m'a assuré que c'est vous qui voulez lui parler avant le conseil. Merci. Samuel. Allô. Samuel. 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 J'ai trouvé. J'ai trouvé. Ça y est, j'ai tout compris. Samuel. 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 T'es comme les prophètes, Samuel. Dieu t'a donné un pouvoir extraordinaire, il faut pas que tu le gâches. Si tu peux revenir en arrière, pourquoi tu reviens pas carrément en 1939, hein? Tu assassines Hitler et y'a plus la Shoah. Y'a plus la Shoah, Samuel. Quoi? Tu assassines Hitler? Non, j'ai même mieux. Tu reviens à Adam et Ève. Et on recommence l'humanité sans la pomme. Razak. Mais tu sais plus, moi je sais, moi, ce que je sais, c'est que Dieu, tu vas l'épuiser, il va en avoir marre de toi. Il te donne tout et toi, tu prends rien. Allô. Remarque, Hitler. Allô. Razak. Oh, putain, non. Arrête. Ça va, monsieur? Ça va, grâce à Dieu. Allez, allez-y, voilà. Copain, chambre. Vous pouvez pas rester là, monsieur. T'aurais peut-être dû m'en parler avant de la pomme. Allez, viens. Lionel? Ah oui? Ça alors, Lionel? Eh ben dis donc, t'as changé, toi, mon vieux, hein? J'ai maigri, t'as vu? Parce qu'aujourd'hui, je vais super bien. Alors, faut pas me chercher, hein? On le voit trop. Alors, c'est le jour des grandes décisions? Hein? Allô? C'est Moïse Durand. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Parle pas comme ça à ton père! C'est pas parce que je fais le mort que j'ai pas mon mot à dire! Papa? T'es tout seul? Ben, non, papa. Pas en plein conseil, quand même. T'es pas en train de prendre des décisions sans m'en parler, hein? Ouais, je sais pas. Je sais plus rien du tout, papa. Papa! Papa! Vas-y, dis le plus fort, t'as oublié. Je suis mort ou je suis pas mort? Je sais pas, papa. Bon, alors, dis l'heure que tu vas aux toilettes et tu descends. Je t'attends à la sortie du parking. Au revoir, monsieur. T'es con, quoi? J'en ai pour 5 minutes. Je ne sais pas. Vous inquiétez pas, je... Il faut que j'aille aux toilettes. C'est bon, ça, c'est... Pardon. Hé, t'es pas où, Marie? Durant, c'est mieux comme nom, mais ça fait 8 ans. Hein. Ça fait 8 ans que tu trouves ça bidon. Quoi, 8 ans? Comme ma mort au Koweït. Hein? Je suis quand même le seul juif français mort au Koweït pendant la guerre du Golfe. Mais dis tout ça devant elle, mais c'est qui celle-là? T'inquiète pas, elle parle pas un mot de français. Hein, chérie? Quoi? I love Paris. Oh, putain, yeah. C'est pas vrai, papa. De toute façon, cette opéra, faut pas la faire. Le nucléaire, c'est fini. Croisons mon pif. Jusqu'à présent, ça nous a bien réussi. Comment ça, ça nous a bien réussi? Appelle Sansan, et tu lui mets l'OPA, ou je pense. Mais c'est lui qui fait tout. Je contrôle, t'inquiète pas, t'as rien à craindre. Ah putain. Allez, on va se marier. Mais j'ai ton mariage, je vais à l'aéroport, il y a Laurie qui m'attend. Il est venu, il est là. Arrête tes conneries, hein. Fais confiance à Moïse, vas-y. Vas-y. Démarre. Mais c'est pas ma vie, ça. Ma vie, elle est avec Laurie. C'est ça que j'ai choisi. Vincent. 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 Ça va? Ça a marché? Ça a marché? Ça a marché! Chérie! Chérie! Mon prototype, ma poche à air! Ça a marché! Ça a marché! Ça a marché! Mais c'est le mariage qui te panique, mon doudou, tu sais pas, c'est ça? Non, non, si!
si, je sais. Si, je sais, je sais. Je sais. Mais qu'est-ce que t'es belle en mariée. Oh. Et moi. Oui, mais toi, on le sait, toi. Puis toi, t'es la femme de ma vie. Tu vois, papa. Mais qu'est-ce que je te dis. Oh. Aïe. Ton premier cheveu blanc, il vieillit. Bon, allez, le maire nous attend. Deux mariages en même temps, si on venait pas, il serait déçu. Laurie, viens. J'ai envie d'avoir des enfants. Un garçon et une fille. J'ai déjà pensé aux prénoms, Eric et Karine. Non, c'est Cédric et Marina. Ah ouais, ça sonne bien. Hein? Merci, Vincent. Hé, hey, j'ai une réponse pour ma pochère. Ils me la prennent. C'est pas génial. Qu'est-ce que je suis content pour toi, Rémi. Attends, mais y a que le nom qu'ils aiment pas. Poche à air. T'as essayé en anglais? Air pocket? Oh non. Airbag? Airbag? Ah, ça, c'est pas mal, ça. Attends, c'est pas mal, ça, airbag. Allez, Vincent. Merci. Chouchou, regarde ce que je t'ai préparé. Gaston! Voilà, faut pas forcer sur le sablé avec Gaston, hein? Le sablé, l'airbag, je suis en train de changer le cours de l'histoire, là. Faut que tu fasses attention, Samuel. Vincent, Samuel, j'ai raison de me marier, là. Eh ben, il prend son temps, hein? D'où Jésus, me faire peur un si beau jour, m'est apparente. Tu mériterais... Agradeço a França, eu vou chegar.